Le sacre d'Oppenheimer, Anatomie d'une chute récompensée, Ryan Gosling, sans statuette mais star de la soirée. Numéro spécial de À l'affiche, consacré à la 96e cérémonie des Oscars. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borrez. Bonjour Louise. Vous êtes évidemment avec nous pour cette cérémonie qui, il faut le dire, était quand même sans grande surprise. Le favori est bien reparti avec le plus grand nombre de statuettes. Je parle bien sûr de Oppenheimer de Christopher Nolan. Et oui, 7 statuettes sur les 13 possibles, carton donc presque plein pour Oppenheimer. Meilleur second rôle masculin, c'est Robert Downey Jr. qui l'a obtenu, mais aussi meilleure musique originale, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur film, meilleur réalisateur, c'est le très beau doublé, sans oublier meilleur acteur pour le grand, l'immense Cillian Murphy. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Out of life and death. I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. Voilà, victoire donc d'Oppenheimer aux Oscars. Et avec Oppenheimer, c'est le grand écran qui a été célébré aux dépens donc du petit, donc des plateformes. Souvenons-nous peut-être que Christopher Nolan a claqué la porte du studio avec lequel il était très attaché. C'était la Warner. Tout ça s'est passé fin 2020. On était en pleine crise du Covid. Et les dirigeants de la Warner avaient donc décidé de sortir conjointement leur film en salle et sur leur plateforme HBO Max, provoquant l'ire de leur star du studio, Christopher donc Nolan, qui a claqué la porte, qui a rejoint le studio Universal. C'est le studio donc qui a récupéré le joyau de la couronne. Et donc, avec Oppenheimer et avec le succès que l'on connaît, un délirant succès même, puisque le film s'apprête à passer la barre mythique du milliard de dollars de recettes, des hauteurs auxquelles, certes, Christopher Nolan est habitué, notamment avec les volets de la saga Batman. Et soyons complet aussi, puisqu'en France, on a célébré aussi à sa juste valeur Oppenheimer, puisque le film a totalisé 4 500 000 entrées en France. Et il a eu un César d'honneur tout récemment aussi, ici dans l'Hexagone. Alors voilà pour Oppenheimer, l'autre grand gagnant de la soirée, c'est Pauvre Créature. Voilà, Pauvre Créature de Yorgos Lanthimos, qui a obtenu 4 statuettes en tout et a permis surtout à son actrice Emma Stone d'obtenir son 2e Oscar de la meilleure actrice quelques années après celui obtenu pour le film de Damien Chazelle, La La Land. Allez, on regarde à quoi ça ressemble. We must experience everything, not just the good. A degradation. Shall we see? Horror. Sadness. Bella. Then we can know the world. And when we know the world, world is ours. Voilà, Emma Stone, Oscar de la meilleure actrice. Elle avait en face d'elle notamment Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Puisqu'ici, en France, on va le dire, tout le monde attendait le verdict pour Justine Triet et son film Anatomie d'une chute. Il avait tout de même 5 chances de remporter un Oscar. Et le couple, Justine Triet-Arthur Harari, est finalement reparti avec celui du meilleur scénario. On les écoute. It will help me through my midlife crisis. Eh bien, cela m'aidera à traverser ma crise de la quarantaine, je pense. C'est une année folle. Je tiens à remercier tous les acteurs, Sandra, tous les acteurs pour ce que vous avez fait sur le plateau. For what you did on set. Voilà, un Oscar sur les 5 possibles, c'est pas mal. Alors notons quand même que le scénario du meilleur scénario original leur semblait acquis, et pour cause, puisque les principaux concurrents avaient été écartés, puisque les grands films dont on a parlé, notamment Oppenheimer, sont des adaptations de romans, donc ne sont pas des scénarios originaux par définition. Voilà, pour le reste, eh bien, il aurait été vraiment surprenant que le film fasse concurrence directe et de l'ombre à Christopher Nolan. On s'y attendait un peu, on l'a dit, pas
pas beaucoup de surprises lors de cette cérémonie. Beaucoup de commentateurs, d'ailleurs, ont déploré une cérémonie assez consensuelle. Il y a tout de même eu quelques temps forts, Thomas. Oui, et notamment au moment de la remise de l'Oscar du meilleur documentaire, qui a été remis à un cinéaste ukrainien, Mislav Chernov, pour son film « 20 jours à Mariupol », un documentaire toujours inédit dans les salles françaises, qui eh bien, décrit le siège de la ville portuaire de Mariupol, du Donbass, par l'armée russe à partir de février 2022. On va regarder quelques images du film et surtout écouter son réalisateur. Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. I'm honored. Je suis très touché, mais je serai probablement le premier réalisateur à dire ici « J'aurais aimé ne jamais faire ce film ». J'aimerais pouvoir échanger ce prix avec le souhait que la Russie n'attaque jamais l'Ukraine et n'occupe pas nos villes. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Voilà le discours très fort du réalisateur de 20 jours à Mariupol, Oscar du meilleur documentaire. D'ailleurs, la politique s'est invitée lors de cette 96e cérémonie des Oscars. Oui, notamment par la voix du réalisateur britannique Jonathan Glazer, au moment de recevoir un de ses deux Oscars pour son film La Zone d'intérêt, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger et celui du meilleur son. Eh bien, en faisant directement référence à son film, qui parle, rappelons-le, de l'Holocauste, il a parlé évidemment de la déshumanisation du passé, pour cause, il faisait référence à son film, et du présent en évoquant les victimes israéliennes du 7 octobre, dues aux attentats du Hamas, mais aussi il a vivement critiqué le gouvernement israélien, et notamment et les bombardements de la bande de Gaza. Voilà pour Jonathan Glazer. Rappelons que Cillian Murphy, en recevant son Oscar du meilleur acteur pour Oppenheimer, dans lequel il incarne l'inventeur de la bombe atomique, eh bien lui a terminé son discours en disant, je cite, « Les gens qui se battent pour la paix dans notre monde en guerre, il avait envie de les célébrer. » Bon, on a listé les gagnants, mais qui dit gagnant dit évidemment perdant. Et oui, je l'évoquais avec Oppenheimer, j'en ai parlé un petit peu en creux tout à l'heure, les plateformes, effectivement, sont les grandes perdantes de cette cérémonie des Oscars. Elles font grise mine, c'est un vrai tollé quand même. Bradley Cooper et son maestro en ont d'abord fait les frais. Zéro récompense, mais que dire produit aussi de Martin Scorsese. Pardon ? Produit par Netflix. Produit par Netflix, absolument, vous avez raison de le souligner. Et Apple défendait Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, 10 nominations. Et là aussi, zéro pointé. Voilà, seul Amazon peut se targuer quand même d'une statuette, celle obtenue pour le scénario adapté d'American Fiction de Cord Jefferson. C'est quand même bien peu. Voilà, l'autre grand perdant est une perdante, c'est la diversité, malheureusement. Et ce rendez-vous vraiment manqué, notamment celui, on la voit là à l'image, Lily Gladstone, magnifique dans le film de Martin Scorsese, aurait pu être la première actrice amérindienne à obtenir l'Oscar de la meilleure actrice. Les votants ont donc préféré Emma Stone. On peut vraiment, vraiment le déplorer. Seule consolation, l'actrice afro-américaine Divine Joy Randolph a, elle, obtenu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Winter Break d'Alexander Payne. Elle a aussi fait un discours très, très émouvant en recevant son prix. Alors, la soirée nous a quand même offert quelques moments de légèreté pour remettre l'Oscar des meilleurs costumes. L'acteur et catcheur John Cena, et vous le voyez, apparu dans le plus simple appareil, ou presque, avec un échange assez drôle entre lui et le présentateur, Jimmy Kimmel. Mais celui qui a vraiment volé la vedette de la soirée, c'est Ryan Gosling, bien sûr. Ouais, Ryan Gosling a été vraiment impérial, avec son costume, on le voit, pailleté rose, et le guitariste de Guns N' Roses, Slash, pour les plus vieux d'entre nous, ils se souviennent de Guns N' Roses. Il a vraiment enflammé le Dolby Theater avec son costard rose bonbon, je le disais, reprenant la chanson I'm Just Ken, du nom de son personnage mythique dans le film de Greta Gerwig, Barbie, rappelons
rappelons que Barbie a été nommée 8 fois et n'a obtenu qu'une seule statuette. Voilà, la statuette pour la meilleure chanson originale, What Was I Made For, de Billie Eilish et Finneas O'Connor, déjà récompensée pour la chanson titre du James Bond, Billie Eilish, Mourir peut attendre, No Time to Die, ce qui fait d'elle, à 22 ans, la plus jeune artiste. Voilà, avoir reçu 2 fois le même prix dans la longue histoire des Oscars. Déjà un beau palmarès. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Louise. On vous retrouve évidemment mercredi pour l'actu des sorties en salle. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec sans doute le moment le plus joyeux et fun de cette 96e cérémonie des Oscars. Ryan Gosling chantant I'm Just Ken en costume rose à paillettes pour l'occasion. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite. I'm just kidding anywhere.